السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا عندنا اليوم واحد حصة اللي غادي نتقاسمها معكم تهم المستوى الأولى بكالوريا وتتعلق بدرس دراسة الدوال في كل ما يتعلق بدراسة الاشتقاق وغيرها، كذلك وحصول على أو الحساب النهايات. إذا فالموضوع هو أمامكم الآن، يمكنكم توقيف الفيديو وقراءة الموضوع ثم الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا نعتبر الدالة h دو x المعرفة على r بما يلي: h دو x تيكالا x بلس راسين دو x، وعندنا h دو x تيكالا x سين دو x بلس a موان كوز دو x بالنسبة لx أصغر من صفر. أول حاجة، السؤال الأول بين بأن h دو x سور x تيكالا 1 بلس 1 سور راسين دو x. ودرس قابلة الاشتقاق الدالة h على اليمين في الصف، وأول هندسيا النتيجة المحصل عليها تحقق أن h دو x سور x إيكال، هذا هو الإكسبريسيون ديالها بالنسبة x appartenant à R étoile moins، ودرس قابلية الاشتقاق الدالة على اليسار في صفر، وأول هندسيا النتيجة المحصل عليها، وأخيرا أحسب h بريم على كل المجالين صفر بلس لافيني إي موان لافيني صفر. إذا هذا هو الموضوع. إذا سنقوم بالإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وستتحدث بعض الأحيان باللغة الفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا فوالا، vous avez une fonction définie comme étant h de x égale à x sinus de x plus 1 moins cos de x pour x inférieur à 0, et ça pour x supérieur égal à 0. Alors si jamais on vous demande de déterminer le domaine de définition, ce n'est pas une question déjà posée, mais si jamais on vous demande cette question. Donc le domaine de cette fonction est R. Pourquoi? Parce que la fonction est définie pour x supérieur ou égal à 0 et pour x inférieur strictement à 0. Donc le domaine de définition de la fonction h est R. Alors ça, c'est entre parenthèses. On va maintenant passer à la première question. Montrer que h de x égale. Alors pour x appartenant à R étoile plus. Alors la fonction concernée, c'est celle-ci. Donc h de x sur x sera égal à x plus racine de x sur x. Alors x sur x c'est 1, donc il me reste racine de x sur x. Alors sachant que racine de x sur x c'est la même chose que si je multiplie par racine de x de part et d'autre, remarquez bien, est égal à x sur x racine de x. Donc c'est 1 sur racine de x, d'où h de x sur x c'est bien égal à 1, et comme racine de x sur x c'est 1 sur racine de x, voilà. Donc on a bien démontré la première question. Alors, علاش عطاونا هذه غير للمساعده بطبيعه الحال؟ ودرس قابل الاشتقاق على اليمين الصفر. Alors, la première des choses de صفر اشنا هي؟ هي صفر. Donc, اشنا هي قابل الاشتقاق؟ Donc, étudier la dérivabilité à droite de h à droite de 0 pour la fonction h. Donc, il faut chercher tout simplement la limite de h de x moins h de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Alors comme h de 0 égale à 0, donc c'est la limite de h de x sur x, c'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de ce qu'on a déjà trouvé, 1 plus 1 racine de x. Alors si vous remplacez x par 0 plus, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, donc il reste donc plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? Que la fonction n'est pas dérivable à droite de 0. Donc je vais l'écrire en arabe. Donc بأن دالة h غير قابلة للاشتقاق عن يمين الصفر، وبالتالي المنحنى ديالها يقبل نصف مماس موجه نحو ماذا؟ نحو الأعلى. Donc je vais dire que la fonction h n'est pas dérivable à droite de 0, et par conséquent la courbe représentative de la fonction va admettre une demi-tangente orientée vers le haut. Donc voilà la réponse à cette question. La deuxième question, on vous donne que quel que soit x appartenant à r étoile moins, vous devez remarquer que h de x sur x égale à ça. Alors pour montrer, donc la fonction concernée pour nous, c'est x sinus de x plus 1 moins cos de x sur x. Alors x, donc il reste quoi? Il reste sinus de x plus 1 moins cos de x sur x. Alors pour
aboutir à ce résultat-là, à ce résultat, je dois multiplier par x de part et d'autre, c'est-à-dire le numérateur, je le multiplie par cos de x, et le dénominateur par x. Donc voilà, vous allez obtenir le même résultat, ou bien la même expression que vous avez ici devant vous. Alors, بالنسبة للقابلة الاشتقاق نفس الشيء, donc limite de h de x sur x lorsque tend vers 0 moins sera la limite de ça, c'est-à-dire de sinus de x plus x 1 moins cos de x sur x au carré. Alors, sachant que la limite de sinus de x lorsque tend vers 0, ça c'est 0. Donc, sachant que ça, la limite, vous le savez déjà en cours, c'est 1 demi. Et ça, c'est 0. Donc, 0 fois 1 demi, c'est 0. Donc, ça vous donne 0. Alors, automatiquement, on va dire que la fonction en question, elle est dérivable à gauche de 0. Donc, on va dire h, فهي إذن هنا في هذه الحالة قابلة للاشتقاق عن يسار الصفر. وبالتالي المنحنى C دي H فهو يقبل ماذا؟ نصف مماس نحو موجه نحو ماشي عفوا فهو نصف مماس معادلته ماشي بحال الآخر معادلته إيكغيك إيكال أزيرو لأن H دو زيرو إيكال أزيرو. إذا فيما يخص السؤال الأخير هو أحسب H بريم في كل المجالين. إذا فيما يخص المجال الأول صفر بلس لانفيني قلنا h دو x هي لا ديريفي ديال x بلس غاسين دو x. ألوغ لا لا ديريفي ديال x سي 1 لا ديريفي دو غاسين دو x سي 1 سور دو غاسين دو x. فوالا سي تري سامبل لو فار دونك سيفي دو ابليكي فوتر غولاسيون. دونك بالنسبة لانترفال موان لانفيني زيرو دون سو كا h بريم دو x sera égal la dérivée de sinus le cosinus c'est bien ça x sinus de x plus 1 moins cos de x la dérivée de tout ça. Alors là on a ibara an juda juda dalatayn khassna ndirou x prime sinus de x plus x fois la dérivée de sinus la dérivée ديال 1 مشات تبقى لا dérivée ديال cos de x. alors هنا غتعطينا sinus de x لان لا dérivée ديال x هي 1 لا dérivée ديال sinus هي cosinus voilà لا dérivée ديال cos هي موان sinus مع هذا الموان غتولي بلس sinus de x donc c'est هي 2 fois sinus de x plus x cos de x. donc هذا هو الجواب النهائي ديال هذا التمرين. اذا فهو تمرين بطبيعة الحال ما غاديش نقول لكم بأنه تمرين صعب ولكنه يكفي أن تطبق فيه ما درسته من حيث قابلية الاشتقاق. دونك سي فوز افي دي كيستيون كوم سا دونك فو سافوا كومو أبليكي فوتر ريغل أبليكي فوتر كور. دونك بور la dérivabilité d'une fonction en un point soit à droite soit à gauche vous devez chercher la limite de cette expression que je vais que j'ai noté ici de la fonction h de x moins h de x0 sur x moins x0 d'une façon générale. Donc je vais l'écrire pour ici pour vous bien la saisir. Donc étudier la dérivabilité d'une fonction quelconque qu'elle soit une fonction f au un point x0. Donc il faut chercher la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc il faut chercher cette limite là. Donc si vous avez trouvé une fonction la limite est égale à L, un réel, alors vous dites que la fonction est bien dérivable en x0. Donc, cherchez la droite, limite à droite et limite à gauche. Si la limite à droite est égale à la limite à gauche, donc dans ce cas, la fonction est bien dérivable en x0. Mais si vous trouvez que cette limite est égale à plus ou moins l'infini, dans ce cas, la fonction n'est pas dérivable en x0. Alors, il faut quand même savoir l'interprétation géométrique d'une telle d'un tel résultat. Alors je vous remercie de bien m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.